les gars, aujourd'hui je vais essayer de vous montrer des petites techniques pour enlever les grippes, essayer d'enlever les grippes. Évidemment, il y a toujours des cas où on ne fera pas lâcher, c'est comme ça, il y en a, ils ont des grippes pas possibles. Mais dans la plupart des cas, avec ce que je vais vous montrer, vous allez pouvoir dégripper et travailler. Donc là, il a deux grippes, manche et col. Je vais d'abord enlever le col. Pourquoi ? Pour reprendre une belle posture. Vous avez vu là, pour garder le dos droit, je suis obligé de vraiment bien descendre. Ce n'est pas une position où je suis, je peux rester des heures, on va dire. Donc, enlever le col, on vient saisir à deux mains la manche et on va pousser et se redresser en même temps. Si ça ne suffit pas, ce n'est pas très agréable, je vais le faire descendre sa main, glisser la main le long du col. Donc là, souvent, il ne remet plus la main après. Hein. Boum, un. J'ai enlevé ça, on va essayer d'enlever la manche. Donc moi, je vous conseille, c'est de simplement essayer de venir enroulé, donc il a les doigts qui vont se prendre dedans. Même si vous vous trompez de sens, c'est pas très grave, vous allez finir par trouver pour enlever. Si vraiment j'y arrive pas, il m'embête, on peut essayer d'aller shooter avec le pied dans le pli du coude. C'est un petit peu dangereux parce que forcément j'offre ma jambe. Donc si vous pouvez, un. Ok. Hop, on peut aussi, pourquoi pas ici, rajouter une pression en venant le tirer pour enlever les manches. S'il a les deux, on va être obligé de d'abord tourner pour enlever. Je vous conseille, dès que vous avez enlevé un grip, lancez une attaque. Sinon, il va vous reprendre, reprendre, reprendre. Vous allez passer le combat à faire ça. S'il me saisit le pied, le pantalon plutôt, alors là, si j'ai beau tirer, s'il tient fort, je n'arriverai pas à l'enlever. D'accord, c'est vraiment un grip très fort. Donc, je vais essayer de casser la posture de son poignet. Je veux plier sa main vers le bas. Donc je vais d'abord le tirer vers moi et coller son poing contre mon tibia. Ok, je ne sais pas si on voit bien. Hein. Et là, je vais tirer vers moi, vers le haut. Du coup, en fait, il va avoir... quand il tient, je le replie ici. Là, il a moins de force pour tenir son grip. Un, deux. Je replie et je fais lâche. Ok, on recommence. Le col. Ouais, plutôt, donc toujours la posture importante. Si vous avez le dos rond, vous n'arriverez pas à enlever. Impossible. Dos droit, jambes fléchies. Un. Il tient fort, je fais glisser. S'il a les manches, on essaye d'enrouler. Ok. Il lâche pas. On prend appui sur ses phalanges. Et je tire. S'il a le pantalon, je fais replier le poignet vers mon tibia. Vous avez vu là? Je vais pouvoir maintenant tirer vers le haut. Dès que j'ai fait ça, j'essaie de lancer une attaque. Je ne le laisse pas se repositionner. C'est là où il va être fort.